Voilà, je viens de regarder une vidéo sur le mur de VK de Magali Robin et je suis d'accord. Et en fait, elle m'a appris quelque chose que je n'avais pas réalisé. En fait, voilà, c'est que normalement, le gouvernement, il doit démissionner suite aux élections pour renommer des autres membres du gouvernement. Et elle explique qu'il y a cette fenêtre qui fait que les armées françaises peuvent intervenir, puisqu'elles sont apparemment plus sous le coup, sous le joug quelque part du gouvernement. Donc moi, je présente le drapeau blanc, ok. Moi, je veux la paix, pas la guerre. Je veux qu'on nous foute la paix, ok. Et j'appelle à l'aide. Je dis à l'aide. Je demande de l'aide aux armées françaises, ok. Aidez-nous, ok. Ça fait 2 ans que je deviens même émotionnel là, on vous dit ça. Ça fait 2 ans qu'on nous fait chier. Excusez-moi. Pas dire certes plus de 2 ans, mais ces 2 dernières années, ok. Là, clairement, moi, la manière dont je vois les choses, on est rentré sous une forme de dictature. Je considère que ma vie est menacée, et pas seulement ma vie, la vie de tous les citoyens français, ok. Je vous rappelle que vous êtes là normalement pour nous aider, pas pour les aider un gouvernement, je dirais, corrompu, qui est clairement en guerre contre le peuple français. Donc, drapeau blanc. J'appelle, je vous demande de l'aide, ok? Armée de terre, armée de l'air, la marine, ok? La légion, les légionnaires, ok? Enfin, toutes les armées françaises, ok? Ceux qui veulent protéger réellement le peuple français. Là, maintenant, je dirais, bougez-vous, aidez-nous, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et pour tous ceux qui sont abonnés sur moi et qui me regardent, je vous invite. Parce que, apparemment, et c'est quelque chose que j'entends depuis plus de 2 ans, depuis que je recherche, ok? Et c'est pareil dans tous les pays du monde. Si la population ne demande pas à l'armée d'intervenir, ils vont en effet pas bouger, parce que, effectivement, ça peut, entre guillemets, ça peut faire du genre coup d'État, du genre. Donc, je vous invite, si vous avez un compte sur cette plateforme, de faire une petite vidéo juste comme ça, ok? Et dire à l'aide. Aller sur tous les réseaux sociaux et demander de l'aide aux armées. Si même à la limite retweeter, là je suis en train de voir, d'essayer de comprendre comment je dois retweeter, parce que Twitter c'est pas trop mon truc. Je suis sur Twitter, mais c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pour ça que je retweete beaucoup, parce que écrire déjà, ça m'a. C'est pas trop mon truc. Okay. Donc, l'armée française, je vous demande de l'aide en tant que citoyenne française. Okay, j'ai bien un passeport français. Hein. Okay. J'ai bien un passeport français. Je vous demande de nous aider. Ok?